Bonjour à tous. Oula, un vrai micro, ça fait bizarre. Bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde Soft Skills proposée par Skills Day. Donc on a été avec vous toute la semaine pendant la Skills Week et on a décidé de clôturer en beauté. Et donc pour ça, on a privatisé un cinéma centenaire dans lequel s'est produit la grande Edith Piaf. Oui, on ne fait pas les choses à moitié chez Skills Day. En présentiel, on a certains de nos clients. On est ravis de vous accueillir in real life puisque Monsieur Véran a décidé que ça allait devenir de plus en plus compliqué. Donc profitons-en. Et puis pour tous ceux qui sont à distance, bien sûr, on répond à vos questions dans le chat hein, comme le reste de la semaine. Et puis en fin de séance, avec Anne-Charlotte, on passera toutes vos questions les plus intéressantes à nos intervenants. En attendant, je pense que vous avez surtout envie de les entendre eux, donc Ancha, à toi. Bonjour à tous, je ne suis pas Edith Piaf, mais je suis quand même ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Anne-Charlotte Mondret, déléguée générale de EdTech France, et j'ai le plaisir d'animer une table ronde sur les soft skills. En effet, aujourd'hui, c'est assez difficile d'imaginer réussir une vie professionnelle sans ces fameuses compétences douces à un moment où justement les compétences dures, hein, les hard skills, se périment assez vite. Or, on sait qu'on va exercer plusieurs métiers dans nos vies, donc justement, comment compléter ces connaissances dures par ces fameuses soft skills comme l'adaptabilité, la résolution de problèmes complexes, l'empathie et plein d'autres choses dont on va parler aujourd'hui qui sont très importantes pour être épanouie dans sa vie pro et sa vie perso. Une fois qu'on a dit tout ça, on va creuser sur certains aspects en particulier hein, des questions assez cruciales, notamment sur justement l'âge à laquelle l'apprentissage de ces fameux soft skills doit se faire, le rôle de l'entreprise dans tout ce vaste sujet. Est-ce que c'est à l'entreprise de former ses salariés à ce genre de compétences? Est-ce que ça concerne tous les types de salariés, qualifiés, moins qualifiés? Quels sont les impacts attendus de ces fameux soft skills sur les performances au travail, sur le bien-être aussi? Et sur quels soft skills doit-on investir en tant que manager, en tant qu'entreprise, en priorité pour ses salariés? On va parler de tout ça, on va aussi parler de la différence entre la vie personnelle et la vie pro. Est-ce qu'on peut enseigner les soft skills sans forcément empiéter sur qui on est? Et pour parler de tout ça, moi j'ai la chance d'animer, mais j'ai à côté de moi des experts qui maîtrisent leur sujet, que je vais vous présenter. On a Monsieur Raphaël Enthoven, philosophe que vous connaissez tous, Arthur Choucroun, CEO de Skills Day, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Susanna Smage, directrice Blended Learning au sein de Skills Day. Bonjour Susanna. Svenia Busson, CEO de LearnSpace et membre du board d'EdTech France également. Laurent Dupont, bonjour, directeur du développement Institut Neurocognitivism. Est-ce que je le dis bien? Cognitivism. Je blague. Guillaume Ravix. Tu es le DG développement et valorisation du capital humain chez Nexity La Cité. Et enfin, Clément Leminck, manager écosystème start-up du Labérage. Bonjour à tous. On commence. Première question. Je regarde mes notes. Alors, Susanna, la parole à toi. Tu es sur le terrain tous les jours justement pour parler de soft skills. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on voit toujours l'opposition entre les soft skills et les hard skills? Est-ce que c'est une opposition qui est pertinente? Et qu'est-ce que tu en penses avec ton regard justement de formatrice? Merci pour la question. Là, je vais dire un scoop. Bien sûr, il y a une dichotomie. Non, il n'y en a pas. En fait, moi, je suis une traumatisée des soft skills. Je vais vous raconter mon expérience du dentiste. En fait, je suis allée chez le dentiste. Il était super sympa. Il communiquait très bien. Il m'a très bien expliqué son devis. En fait, il m'a charcuté la bouche. Donc, effectivement, il y avait une dichotomie entre ces soft skills et ces hard skills. Et moi, la position que je prends, c'est une véritable porosité entre les hard skills qu'on peut appeler les expertises et les soft skills qu'on va apprendre les comportements. En fait, le hard skills, c'est le quoi d'une entreprise, ce qu'elle va faire, et les soft skills, c'est comment elle va le faire. C'est un peu comme ça que je le comprends. Les soft skills sont plutôt réservés aux managers. Les formations sur les soft skills sont plutôt réservées aux managers, puisque les entreprises comprennent qu'être manager, c'est un métier et que la soft skills ou les soft skills font partie intégrale de ce métier. Et moi, je pense que tous les métiers doivent être vus de la même manière. Dans tous les métiers, il y a une composante soft skills qui peut être intéressante. Il y a d'ailleurs des entreprises, pas plus loin que Nexity, mon voisin Guillaume, qui nous challenge sur ce sujet-là, qui nous disent « Ok, moi je veux avant tout former d'excellents professionnels. Je ne vais pas former les gens sur les soft skills pour les soft skills. »
Donc ça veut dire que nous, on va construire des programmes de formation où la personne qui vient en formation, elle voit tout de suite le lien direct entre le métier qu'elle fait tous les jours, qui n'est pas nécessairement donc le métier managérial, et les soft skills qu'on va lui apprendre. Ça signifie quoi en termes de formation? Ça signifie des parcours sur mesure, très souvent, et une implication, un travail qu'on adore faire, vous le savez, avec les experts internes au sein des entreprises. Et tu trouves que c'est une demande qui est de plus en plus active de la part du terrain, justement, cette volonté de former à la fois aux compétences dures et aux compétences douces? Tu ressens ça comme quelque chose qui s'accélère? Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui s'accélère. En tout cas, nous, on commence à avoir ce type de demandes. Alors, c'est comme toujours, hein, c'est peut-être aussi qu'on les incite, ces demandes-là. Parce que nous, on a justement un regard plutôt holistique à la fois sur l'être humain et sur l'activité d'une entreprise. Nous, on a une entreprise, Arthur et moi, on gère une entreprise, donc on sait à quel point cette porosité entre hard skills et soft skills est cruciale pour les salariés. Pour compléter son regard, du coup, Laurent, vous, sur cette dichotomie compétences dures, compétences douces, qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Je rebondis sur ce que disait Susanna, il y a une vraie complémentarité entre les deux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est les besoins du poste ou de l'entreprise, c'est ça qui est fondamental. Et selon les jobs, le curseur, on ne le met pas au même endroit. Il y a des jobs qui requièrent énormément de soft skills, par exemple tout ce qui est relationnel, la relation client, par exemple, et parfois un peu moins de hard skills, et d'autres, c'est le contraire, il faut beaucoup de hard skills et un peu de soft skills qui sont périphériques. Donc le curseur est différent selon les jobs, et puis surtout ce qui est important aussi, ce que nous disent les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'il faut se poser la question à chaque fois, pour chaque poste, il faut peut-être se poser la question de qui on veut voir sur un poste. Est-ce qu'on recrute quelqu'un, par exemple, pour un job précis, opérationnel tout de suite, ou est-ce qu'on se dit, je le recrute dans une optique de long terme, et les soft skills se périment pas, alors que les hard skills peuvent se périmer. Quand on parle un langage informatique, eh bien, il est périmé très vite, par exemple. Et donc, j'ai vu une étude qui était un peu caricaturale, où on disait que les hard skills se périmaient aujourd'hui en 2 ans, alors que c'était 20 ans dans les années 90. C'est un peu caricatural, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut penser adaptabilité des individus, ce qui est une soft skill, essentiel, et capacité d'apprendre. L'apprenance devient capitale aujourd'hui. Et donc les deux sont nécessaires à l'employabilité et à la compétitivité des entreprises aussi. On parle de soft skills, merci pour ce complément à l'intro. On parle du coup d'humain. On va faire un petit focus sur ce que peuvent apporter les sciences humaines, telles que la philosophie et les sciences cognitives, à nos connaissances justement sur des soft skills comme l'autonomie, l'adaptabilité et l'empathie dont on parlait. Raphaël Entoven, est-ce que vous pouvez nous apporter justement votre regard de philosophe sur ces compétences douces? La différence entre les soft skills et les hard skills est une différence, alors c'est la forme prise à l'échelle individuelle au XXIe siècle par la différence historique, millénaire, entre le progrès technique d'un côté et le progrès moral. Le progrès technique avance à pas de géant. Nous sommes meilleurs en astronomie au XXIe siècle qu'au XVIe siècle, au XIVe siècle ou à l'époque de Ptolémée. Donc incontestablement, nous faisons des progrès techniques. Mais moralement, nous stagnons depuis toujours. L'humanité n'a pas fait de progrès moral depuis le néolithique, sinon le XXe siècle n'aurait pas été celui des génocides. Donc c'est tout le paradoxe, si vous voulez, entre le progrès technique et le progrès moral. Le progrès technique ne pose pas de problème, il est quantifiable, il est mesurable, et les abîmes qu'il produit sont des révolutions dans les consciences. Mais le progrès moral, lui, claudique, titube, stagne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un très beau texte de Kant, un opuscule de Kant, un opuscule sur l'histoire, un de ses opuscules, dans lequel Kant explique que l'idée de fin du monde nous est venue précisément de cela. L'idée de fin du monde nous est venue du sentiment que la technique allait nous échapper parce que la morale ne courrait pas assez vite derrière elle, que les soft skills, en somme, ne suivraient pas le progrès technique. Alors, ça, c'est à l'avantage, naturellement, du progrès technique, des hard skills, de l'expertise. Et effectivement, on peut dire que ça, c'est du dur. Mais, comme vous l'avez dit, pour cette raison-là, l'un se périme et l'autre non. Il y a des tas de questions techniques en entreprise qu'on a cessé de se poser aujourd'hui. Parce que les progrès ont permis qu'on ne se les pose plus. Aucune question morale n'est caduque. Aucune problématique morale n'est caduque. La question de savoir comment on intègre quelqu'un dans une entreprise, la question de savoir ce qu'est le management, je vais y revenir. Mais aucune question morale n'est caduque. Ce que je veux dire, c'est que la contrepartie du fait que moralement nous ne progressons pas, c'est que nos soft skills,
l'autonomie, la capacité de décision, des tas de vertus de cette nature-là, ces vertus-là sont à reconstituer systématiquement à chaque génération, à chaque individu. Et du décalage entre les deux naît, je crois, aujourd'hui, ce débat entre la complémentarité ou l'opposition des deux. Et l'erreur, je crois, qu'il y aurait à les opposer. Juste encore un mot, s'il vous plaît, sur le mot de management. On en parle. Je voudrais attirer l'attention de tous sur le fait qu'on ne dit pas management, on ne dit pas management, on dit management. Autrement dit, on franglise le mot, si vous voulez. On le dit en franglais. C'est un mot dont la prononciation est indécise parce que sa définition l'est tout aussi. Et or, pour s'aider dans la définition du management, c'est le paradoxe du management, c'est qu'on le pratique et on est bien en peine de le définir. C'est comme la beauté, si vous voulez, on la reconnaît, mais on ne saurait pas la nommer. Eh bien, le management, c'est pareil. C'est, on le pratique et pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Et en réalité, me semble-t-il, l'étymologie nous y aide beaucoup. Management vient du latin manus et agere. Agere, c'est un verbe passe-partout qui veut dire faire, choses comme ça. Ça a donné les agendas. Agenda, les choses devant être faites. Eh bien, manus agere, littéralement, c'est le faire de la main, c'est-à-dire la manipulation. Le management, c'est la manipulation. Étymologiquement. Et de sorte que, et j'en termine, et je voudrais ici prêcher pour ma paroisse, un entretien d'embauche consiste bien souvent à obtenir du candidat qu'il adopte ou qu'il s'adapte au comportement qu'on lui demande d'avoir dans la boîte qu'il intègre. Or, à l'ère de l'horizontalisation des process, le management a tout à gagner, me semble-t-il, à s'inspirer de l'entretien socratique, dont le but n'est pas d'obtenir d'un individu qu'il soit conforme au désir qu'on en a, mais qu'en réalité, il accouche de ce dont il est lui-même riche. Et cette inversion du paradigme, par exemple de l'entretien d'embauche, de la lecture managériale, me paraît à la fois pertinente en soi, mais essentielle à une époque où, encore une fois, les process sont horizontalisés et où la verticalité est constamment remise en cause, parce qu'aujourd'hui, décider d'en haut, c'est décider de travers. Voilà. Merci Raphaël. Bravo. Laurent, grosse pression pour que les sciences cognitives égalent l'apport de la philosophie sur ma première question initiale. Ah, c'est une énorme pression, mais ce qui est génial, c'est qu'on se retrouve complètement. Parce que la révolution néolithique, c'est effectivement un moment de fracture avec tous ces codes qui se sont construits, toutes ces exigences qui se sont construites, et l'évolution humaine, l'évolution du cerveau qui n'a pas suivi. Et donc, on est en décalage permanent, c'est ce que rappelle Raphaël Eindhoven, entre des conditions, des exigences de la science, etc., du travail, et le fonctionnement du cerveau. Et en gros, les neurosciences cognitives nous expliquent en fait les sous-jacents des soft skills, dans quelle zone du cerveau ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, notamment le fonctionnement de notre intelligence adaptative, qui est la capacité distinctive de l'humanité pour s'adapter à la nouveauté, et cette capacité d'adaptation qu'on ne sait pas suffisamment muscler. Hein, ça se passe ici, on a pu le mettre en évidence avec les IRM fonctionnels, et on l'utilise dans 5% des situations, simplement. Tout le reste, c'est nos programmations, c'est tout ce qu'on a à l'arrière du crâne, qu'elles soient de nature instinctive, qu'elles soient de nature grégaire, c'est-à-dire nos capacités à nous comprendre en tant qu'animaux humains, parce qu'il faut toujours rappeler que nous sommes des animaux humains, avec des micro-signaux que nous transmettons, et puis tout l'émotionnel qui se construit tout au long de la vie. Tout ça, c'est des programmations, donc il faut absolument avoir conscience qu'on a une capacité distinctive qui est cette capacité d'adaptation qui nous a permis de nous adapter, mais qui, aujourd'hui, est insuffisamment musclé. Et je termine sur une chose, c'est que dans la question de ce qu'expliquent les neurosciences cognitives, il y a aussi l'empathie. Ce matin, j'écoutais une chaîne de télévision et j'ai vu une étude qui était, les journalistes la voulaient humoristique, sur les grands-mères. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, mais ils disaient qu'on avait identifié les zones dans le cerveau de l'empathie émotionnelle qui s'activait chez les grands-mères quand elles voyaient leurs petits-enfants, alors que les mères, c'était juste une empathie cognitive. Donc, ce n'était pas la même chose. Et c'est pour ça que les comportements des mères avec leurs enfants étaient différents de ceux des grands-mères. Donc, vous voyez, ça va très, très loin. Alors, je ne sais pas quelle est la fiabilité de cette étude. Ce sont des chercheurs américains, enfin bref, qui ont fait ça avec une volonté et une intention derrière. Ça dépend des grands-mères. Hein, ça dépend des grands-mères. Hein. Mais néanmoins, ça veut dire qu'on va chercher très loin les explications de l'empathie, donc une des soft skills clés qui était illustrée. Et là encore, un tout petit peu d'étymologie. Empathie, ça vient du grec en patein. Ça veut dire souffrir à la place de... Sympathie, c'est sun patein, c'est souffrir avec. Et quand on parle d'empathie ou quand on parle de sympathie, on parle d'une capacité proprement inouïe
qui consiste à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Et le paradoxe, c'est que c'est une capacité indispensable à ce que vous célébrez, c'est-à-dire à la capacité de s'adapter à des circonstances nouvelles. Parce que la capacité que vous avez à ressentir le monde qui vous entoure, à souffrir des douleurs qui vous sont épargnées, est également, de la même manière que quand on met la main près du feu, on se brûle et que la douleur nous sert de guide, est également un bon guide dans notre activité quotidienne. Et donc il y a un retour à l'étymologie qui me paraît là encore intéressant. Et je voudrais ajouter une chose sur la capacité d'adaptation, c'est que le darwinisme a toujours été mal compris, on a toujours réduit le darwinisme à la loi du plus fort. Darwin n'a jamais célébré la loi du plus fort, puisque Darwin rendait compte de phénomènes naturels qui n'obéissaient pas à la loi du plus fort, mais à la loi du mieux adapté. À la loi du mieux adapté, à la loi du plus adaptable. C'est-à-dire que sur du sable blanc, les crabes de couleur blanche, c'est un des exemples qu'il prenait, auront plus de chances de survivre et donc de produire des descendants que des crabes de couleur noire qui seront plus visibles par leurs prédateurs. Et donc, pour cette raison-là, le principe de l'adaptation même suppose une connaissance des circonstances, une connaissance de son environnement, et surtout une distinction, c'est ça que je veux dire, entre l'adaptabilité et le fait d'être plus fort que l'autre. Et dans le monde de l'entreprise, une telle confusion est redoublée par le fait que le monde de l'entreprise lui-même est un monde à l'état de nature où on croit que c'est le plus fort qui l'emporte. Donc on est au cœur de la confusion darwinienne. En réalité, parler d'adaptabilité, c'est précisément sortir du paradigme de la puissance, sortir du paradigme de la force, ce qui, pour des raisons qu'il serait trop long de détailler aujourd'hui, mais au XXIe siècle, me paraît essentiel dans la bonne conduite d'une entreprise, même un paquebot. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est complètement vrai, c'est prouvé par c'est le dernier mot, mais la sociabilité, merci. Il semblerait, les chercheurs l'ont mis en évidence, que c'est ce qui a permis à l'humanité de survivre. Donc on est de plus en plus sociaux et on se comprend de plus en plus, donc ça va tout à fait dans votre sens. Donc nous sommes tous convaincus de l'importance des soft skills. Alors, si les soft skills sont si importants dans le monde de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas avant? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas à l'université? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas au lycée, au collège, voire même au primaire? Pourquoi il y a une telle absence dans nos programmes scolaires de, justement, cette capacité à s'adapter, à s'ouvrir à l'autre, à comprendre l'autre, et qui nous épargnerait bien des problèmes par la suite? On est en retard, Svenia, on est en retard par rapport à des pays comme les États-Unis, les pays scandinaves que tu connais si bien. Est-ce que tu peux nous donner ton regard là-dessus après avoir sillonné pas mal de pays européens? Donc je sais que tu as un bon prisme comparatif. Absolument, on est en retard. c'est pas peu de le dire. Effectivement, dans d'autres pays, le Danemark, la Finlande, des compétences comme l'empathie sont inscrites au programme scolaire officiel. C'est des matières comme les maths, l'anglais, le danois. Et ça, ça change énormément, étant donné qu'on commence dès le CP à s'intéresser à ces compétences-là et qu'on les met en exergue. Donc oui, certains pays ont compris ça. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres façons d'enseigner les soft skills que de les enseigner dans un cours comme tel, dans la pédagogie par exemple, dans les pratiques pédagogiques, enseigner par le projet, enseigner avec la résolution de problèmes, avec la classe inversée, avec toutes ces nouvelles pédagogies qui ne sont pas si nouvelles que ça finalement, mais qui nous paraissent aujourd'hui innovantes à la vue en fait de notre système. Enseigner avec ces pédagogies-là permet de développer plein de soft skills et de développer voilà, aussi une conscience de la réussite scolaire, parce qu'aujourd'hui, si on est focalisé que sur les notes et que sur finalement un objet très quantitatif de notre propre valeur, c'est problématique. Alors que dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, on a un système qui est beaucoup plus axé sur, voilà, sur le développement de l'enfant au travers de plein de pédagogies très différenciées, et ça change tout. Ça change tout. Donc en fait, il y a plein de façons d'enseigner les soft skills aujourd'hui, mais ce que je préconise souvent, c'est de dire la pédagogie peut changer énormément de choses, et commencer à faire des projets, commencer à peut-être organiser la classe différemment, éviter les randonnions, faire plutôt des îlots et donner vraiment plus de pouvoir aux élèves, que ça commence dès le primaire, c'est encore mieux, ça peut changer énormément de choses. Et puis ensuite, avoir des programmes, comme je pense à un programme en Espagne, qui est un partenariat public-privé entre le ministère de l'Éducation catalan et une fondation privée qui enseigne typiquement des soft skills liés à la technologie, alors ce qu'on appelle la littératie digitale. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très, très important de comprendre ce qui se passe derrière les smartphones. Et les élèves, voilà, les collégiens, alors ça commence au collège là-bas, ne savent pas vraiment ce que ça
ce que ça provoque chez eux. Et donc, ils ont des cours de littératie digitale. On leur apprend à utiliser la technologie différemment, à l'utiliser de façon critique, à avoir un esprit critique par rapport à elle, et de l'utiliser comme un producteur de technologie plutôt qu'un consommateur passif. Et donc, voilà, on leur demande, par exemple, de créer des applications qui résolvent des problèmes concrets qu'ils rencontrent dans leurs écoles, dans leur communauté. Ils ont un an pour créer une application pour le bien commun. Et voilà, c'est vraiment de se dire comment on peut mettre les élèves en position de production, de création, de créativité dès le plus jeune âge, avec des outils qu'ils utilisent tout le temps, qu'ils ont intégrés comme une partie d'eux-mêmes. Donc ça, typiquement, ce programme qui s'appelle M-Schools est vraiment assez extraordinaire. Et voilà, il a eu un impact assez incroyable dans toutes les écoles de Catalogne. Donc voilà, c'est ce genre de programme qui, pour moi, font vraiment la différence et qui apportent des nouvelles compétences en plus de ce qu'on peut apprendre pendant les heures scolaires. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je voulais vous le partager. Super, merci. Ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on fait au sein de l'éducation nationale. Laurent, un avis là-dessus ? Ah oui, alors là, on est sur le territoire des biais. Hein. Pourquoi ça change pas ? Parce que, en fait, les enseignants, l'éducation nationale, c'est construite sur un certain nombre de croyances, et il est très difficile et c'est douloureux pour le cerveau de changer ses a priori. Donc là, on est en plein dedans. On change pas à cause de ça. Alors que on a des métriques qui sont erronées, à savoir la sélection, réussir aux examens plutôt qu'aider les enfants à être autonomes. Et c'est pour ça que nous, à l'Institut, on travaille sur l'autonomisation des enfants à travers les enseignants. On apprend aux enseignants à développer leurs soft skills et à être souples pour pouvoir changer de méthode et faire exactement ce que Svenia vient d'expliquer, parce que c'est là où il y a les verrous mentaux. Et puis il y a toujours cette peur du déterminisme. Quand on parle de soft skills, il y a une croyance qui est largement répandue, qui est que tout serait inné, on voudrait prouver que tout est inné, et c'est pas bon. Et les enseignants sont farouchement opposés à ça, et c'est pour ça qu'il faut aller contre ça, parce qu'en fait, il y a les graines et il y a le terrain, et il faut l'appairage entre les deux. Donc tous les enfants, on peut développer chez tous les enfants des choses, même si au départ, ils n'ont pas toutes les facilités. Raphaël, justement, sur le rôle de l'école, qu'est-ce que ça nous dit ? Oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je ne suis pas d'accord sur notre retard. On est le seul pays du monde où la philo est obligatoire en terminale, et c'est la discipline qui enseigne exactement ce que vous souhaitez apprendre aux élèves. Où est-ce qu'on apprend la différence entre le prix et la valeur, par exemple ? Vous l'avez cité tout à l'heure. Où est-ce qu'on apprend la différence entre le prix et la valeur ? Où est-ce qu'on explique ? Dans quelle classe, dans quel cours, quel professeur vous expliquera que dans la vie, ce qui se compte ne compte pas vraiment ? Ce qu'on peut compter ne compte pas vraiment. C'est la philosophie, c'est Bergson. C'est des gens qui travaillent là-dessus, ce sont des textes. Qui nous expliquera la différence tout à l'heure entre l'adaptation et la loi du plus fort ? C'est le prof de philo. Qui va nous parler du déterminisme et de la liberté ? C'est-à-dire comment trouver sa liberté alors qu'on est déterminé par des tas de choses, par une sociologie, par des apprentissages, par des façons de penser, on est structuré. Où est-ce qu'on va retrouver l'autonomie ? Qui nous apprendra la différence entre l'autonomie, c'est-à-dire étymologiquement le fait de se donner à soi-même sa propre loi, et l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait de recevoir sa loi d'un autre ? Qui nous apprendra le fait que le paradoxe qu'il y a à se soumettre à la loi pour conquérir sa liberté ? Tout ça, c'est la philo qui l'apprend. Ce que je veux dire ici, c'est que, et derrière ça, il y a une question, et c'est là, j'en viens au point du désaccord, je crois, il y a une question qui porte sur l'utilité de l'école. L'école a-t-elle vocation à transmettre quelque chose d'immédiatement utile, ou bien l'école a-t-elle vocation à transmettre quelque chose qui, parce que c'est inutile, devient indispensable plus tard ? Et c'est un vrai débat. L'école est-elle là pour apprendre un métier, ou l'école est-elle là pour vous apprendre les talents, qui feront qu'à compétence égale, c'est vous qu'on choisira. Parce qu'il y aura en vous un supplément d'âme, un supplément d'inutilité, peut-être un soft skill au carré, quelque chose dont on ne voit pas l'efficacité immédiate, l'effectivité immédiate, mais qui en réalité, à plus long terme, est un investissement durable. Évidemment, c'est vrai, pour devenir financier, il n'est pas nécessaire de parler latin. Alors, j'ai enseigné le latin. Du coup, je vous coupe sur ça en disant que c'est très important de faire du latin à l'école. Et j'allais le dire. Ouais. C'est précisé. J'allais le dire. Voilà, je préfère que ce soit vous parfait, qui le disiez, parfait, puisque parfait. Voilà. Mais j'allais le dire. Ça me paraît indispensable, alors qu'à première vue, c'est un peu inutile. La philo est ce qui vous apprend à faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et cette différence est essentielle pour réussir dans la vie.
Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on n'est pas si démuni que ça en matière de transmission de soft skills. Il y a une discipline qui prend ça en charge, mais qui peut-être ne le sait pas. Ne le sait pas ou peut-être ne convient pas non plus à tous les élèves dans la manière dont c'est transmis ça, quand c'est on a aussi. 17 ans. On sort de l'école et on arrive dans l'entreprise parce que pour réussir sa vie, je pense qu'il faut réussir à s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc on re-rentre dans le monde de l'entreprise et aujourd'hui, on sait, on constate que c'est très difficile de trouver un job quand on n'a pas les soft skills qui correspondent. Mais d'un autre côté, quand on a ces soft skills, ça ne garantit pas de trouver un emploi. Donc on est un peu dans une condition nécessaire, mais pas encore suffisante. Et justement, sur ça, Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'imagine que ça dépend des métiers, tu as un prisme RH. Je t'écoute. Ouais, donc ta question, c'est est-ce qu'on a besoin de soft skills pour trouver un emploi ? Et inversement, pourquoi quand on a des soft skills, on ne trouve pas forcément d'emploi ? Ah, bah parce qu'un emploi, c'est une adéquation de hard et de soft. Ça me semble assez évident, on l'a dit avant quand on a parlé de la dichotomie. Un dentiste qui ne sait pas pitcher, il n'aura pas de clients. Mais un dentiste qui ne sait pas soigner une dent, il va perdre ses clients aussi, il n'aura pas de clients non plus. Je peux avoir plein de soft. Si j'ai pas, par exemple, si c'est un métier de comptabilité que je veux faire et que je ne sais pas faire un bilan comptable, a priori, je ne peux pas trouver un métier de comptable. Et ainsi de suite pour tous les métiers. Je ne peux pas devenir boulanger du jour au lendemain. Je n'ai aucune compétence de boulanger. J'adorerais, ça doit être trop bien. Mais je n'ai pas ces compétences-là. Donc un métier, c'est avant tout l'adéquation des deux. Ce qui est hyper intéressant avec les softs, c'est que les softs, ils sont transférables et transversales. Et du coup, ce sont des compétences qu'on peut retrouver dans plein de métiers différents. Versus des hards, a priori, ils vont plutôt être associés à un ou peut-être plusieurs, mais peu de métiers. De nouveau, savoir réussir un bilan comptable, quand je suis en RH, ça devient déjà beaucoup plus limité. Et puis quand je deviens boulanger, à part si je suis à mon compte, ça ne me sert plus à grand-chose. On peut avoir des soft skills et pas trouver de job si on n'a pas de hard. Et on peut avoir des hard, mais si on n'a pas les softs, qui aujourd'hui, typiquement, on parlait de l'entretien d'embauche un petit peu plus tôt aussi, un entretien, en fait, si on n'a pas les bons softs pour savoir se vendre, pour savoir exprimer, expliquer ce qu'on sait faire, c'est hyper dur de convaincre et de trouver ce soft. Donc voilà, ce qui est certain, c'est qu'il faut l'adéquation des deux. Et après, ce qui a été dit aussi et qui est certain, c'est que les hard vont être périmés beaucoup plus vite et sont beaucoup plus éphémères aujourd'hui. Et donc, il faut régulièrement se reformer. Tandis que les soft, a priori, à partir du moment où j'ai créé de l'empathie ou de la sympathie, à partir du moment où j'ai une aisance d'expression à l'oral, à partir du moment où je suis à l'aise pour travailler en équipe, ainsi de suite, c'est pas quelque chose que je vais perdre du jour au lendemain, et c'est quelque chose qui sera réutilisable. Zenia, sur ces questions, merci beaucoup Clément, d'employabilité, tu me parlais d'une étude de l'Institut Future of Work de 2020, est-ce que tu peux nous la détailler un petit peu ? Oui, c'est une étude qui a été faite par le Forum économique mondial en 2020 et qui a interviewé un certain nombre de DRH dans le monde entier pour leur poser la question quelles sont les compétences que vous valorisez le plus en entretien. Et dans le top 10, il n'y a que des compétences qui sont des soft skills finalement. Et dans le top 3, on a apprendre à apprendre. Donc sur ce sujet, on a fait un webinaire hier sur apprendre à apprendre qui est disponible sur la chaîne YouTube de Skills Day. Et en fait, apprendre à apprendre, c'est juste apprendre à s'adapter, apprendre à finalement découvrir de nouvelles compétences et les acquérir assez rapidement. Et puis savoir résoudre des problèmes complexes, savoir s'adapter dans un monde en changement, toutes ces compétences-là. Alors évidemment, s'il n'y a pas les hard skills qui vont avec, ça ne sert à rien. Mais à compétences égales, c'est ce qui va faire la différence. Donc je vous recommande ce rapport du Forum économique mondial. Merci beaucoup. Guillaume, je me tourne vers toi parce qu'on a dit donc que la formation initiale ne permettait pas forcément, à part la philo, de former les jeunes aux soft skills. Du coup, c'est l'entreprise souvent qui prend le relais de cette formation. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'entreprise de proposer ça ? Et surtout, à qui proposer ces formations spécifiques au personnel qui manage, au personnel du terrain, à tout le monde, et surtout comment on le fait. Et toi, au sein de Nexity, c'est vrai que vous êtes reconnue comme étant une entreprise apprenante, hein, c'est un mot à la mode. Donc on écoute comment tu gères ce débat de qui on forme, comment, sur le terrain. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs questions dans la question, et pour le clin d'œil sur le prix que tu nous avais remis il y a à peu près un an. Moi, je crois que le rôle de l'entreprise, en fait, aujourd'hui, il est de plus en plus poreux. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, peut-être, on pouvait dire est-ce que ça, c'est du rôle de l'entreprise ou pas, avec une séparation peut-être plus claire que maintenant. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de flou.
Nous, chez nous, en tout cas chez Nexity, on considère que l'entreprise, elle est là où elle doit être ou là où elle a besoin d'être. Et en fait, il en va de même sur les formations. Donc, on va investir sur le capital humain. On va développer les compétences de nos collaborateurs qu'on estime être celles qui sont nécessaires à développer pour répondre à nos besoins. À nos besoins, à ceux de nos clients, à nos besoins de croissance, etc. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on a une conviction partagée. Je pense qu'on est plusieurs au vu des métiers qui sont dans la salle aujourd'hui, qui est que dans le contexte qui est le nôtre, et je crois que la crise, enfin, en tout cas, ce qu'on a traversé, qu'on est encore en train de traverser, puisque... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand la crise a commencé, on entendait partout, on recevait des trucs qui disaient « le monde d'après ». J'ai lu il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça plutôt malin, en fait, ce n'est pas vraiment le monde d'après, c'est-à-dire que c'est une espèce de maintenant qui s'étire et qui dure très longtemps. En fait, nous, dans notre conviction dans tout ça, c'est que dans un monde où les entreprises, elles ont, comme les individus, de moins en moins la main sur ce qui se passe, avec voilà, du flou, de l'incertitude, une difficulté à se projeter, alors ce qu'on met souvent sous l'acronyme VUCA, qu'on voit beaucoup en ce moment, notre conviction dans ce contexte-là, c'est que le seul avantage compétitif des entreprises, en tout cas pour nous, c'est d'investir en continu sur les compétences de ses collaborateurs pour s'assurer qu'ils soient développés en continu, qu'ils apprennent très vite, qu'ils comprennent ce qui se passe autour d'eux et qu'ils mettent en pratique ces compétences très vite sur le terrain. Ça, pour nous, c'est... dans le contexte actuel, encore une fois, le seul avantage compétitif durable pour une entreprise. Et donc, partant de là, partant de cette conviction, c'est pour ça qu'on a lancé la Cité, notamment chez Nexity, qui est une entité spécifique autour du développement et de la valorisation du capital humain. Nous, on n'a pas fait le vœu d'élitisme, en fait. C'est-à-dire que, pour nous, ces sujets de formation, que ce soit soft skills, hard skills, etc., mais soft skills, a priori, aujourd'hui, ils ne sont pas dédiés juste aux dirigeants ou aux managers. C'est-à-dire que, pour nous, c'est des sujets sur lesquels on va former, développer les compétences de toute la chaîne de valeur. Donc, qu'on soit dirigeant, manager, collaborateur, nos alternants aussi... un exemple qui vient illustrer le point sur le fait que l'entreprise elle est poreuse aujourd'hui. Nous, on a lancé notre propre CFA d'entreprise cette année. Est-ce que c'est aux entreprises de lancer des CFA? Ça peut être aussi la même question. Je crois qu'en fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Nous, c'est une façon pour nous de reprendre la main sur des cursus initiaux parce qu'aujourd'hui, les métiers où on recrute, on a besoin de compétences spécifiques qu'on ne trouve pas quand les jeunes sont formés à la sortie de certains parcours. Donc ça, ça illustre, je pense, ce point-là. Ensuite, comme je vous le disais, ça s'adresse à tout le monde. Nous, la façon dont on a pensé notre offre autour des soft skills... Alors, là, je vais faire un peu de jargon de RH pour les RH, hein, mais a priori, c'est le bon public. C'est pas comme ça qu'on communique sur notre offre en interne auprès de nos clients internes, nos collaborateurs. Mais nous, on a construit ça autour de la notion d'agilité. C'est-à-dire qu'on s'est défini quatre axes autour de l'agilité. Premièrement, il y a ce qu'on appelle... alors, c'est pas une vérité vraie, hein, ce que je vous dis. Nous, ça marche chez nous, mais c'est pas parce que ça marche chez nous que ça marchera chez vous. Mais en tout cas, voilà ce que je vous partage. Il y a la partie agilité qu'on appelle agilité cognitive ou agilité mentale. Donc là, c'est tout ce que Raphaël disait tout à l'heure sur la capacité à anticiper, organiser, etc., etc. Le deuxième bloc, on l'organise autour de plutôt ce qu'on appelle l'agilité relationnelle. Donc ma capacité à rentrer en lien avec l'autre, ma capacité à comprendre les émotions, à les interpréter, l'assertivité, etc., etc. Le troisième bloc, c'est l'agilité dans le changement, donc ma capacité à avancer quand j'ai pas toutes les clés en main, ma capacité à accepter le flou, ma capacité à faire du test and learn, etc., etc., ce qui peut être plutôt difficile selon les cultures des boîtes. Et puis, le dernier bloc, qui est plutôt la partie, ce qu'on appelle nous, learning agility, donc là, c'est apprendre à apprendre, Svenia le disait, tout ce qui touche aussi à ma capacité de rebond. Comment j'intègre le feedback pour m'ajuster au mieux quand j'ai des retours, etc. Voilà. Donc nous, on a construit ça autour de ça pour avoir une espèce d'approche plutôt ensemblière du sujet. Et puis sur le comment on le fait, je pense qu'on pourra en reparler un peu tout à l'heure, il me semble. Hein. Je pense que, en tout cas, nous, notre parti pris, c'est d'expérimenter au maximum. C'est-à-dire que le format qui marche plutôt bien, qui marche aujourd'hui, mais peut-être qui marchera moins bien dans 2 ans. Enfin, voilà, on est quand même dans des métiers où il n'y a jamais rien d'acquis, finalement. Donc on se renouvelle beaucoup. C'est de faire vivre une formation. Alors elle dure plutôt en présentiel, je dirais. En tout cas, voilà ce qu'on fait, nous. Une journée ou un jour et demi sur une thématique, donc on va partager, et on le fait d'ailleurs avec Skillsay notamment, mais on va partager des concepts, etc. Et très vite, on va basculer dans de la mise en situation de la pratique.
Au-delà de cette formation, on va laisser se passer un peu de temps parce que, en fait, on veut que ceux qui bénéficient de la formation de nos apprenants y pratiquent dans leur vraie vie. Donc, de façon très opérationnelle, ils vont confronter leurs acquis à est-ce que ça marche, et chacun va le faire un peu à sa sauce. Et puis, la partie qui est hyper importante, c'est l'atterrissage de tout ça, c'est-à-dire que quelques semaines après ou quelques mois, on va proposer des ateliers de partage de bonnes pratiques. On va réunir ceux qui ont vécu la formation, qui l'ont expérimenté sur le terrain et qui vont faire du partage de bonnes pratiques en disant bah, « Voilà, moi j'ai testé ça, ça marchait comme ci, comme là, moi je l'ai ajusté. » Et là, c'est les pairs qui parlent aux pairs et ça a beaucoup de force. Et on pense que tout ça, c'est très complémentaire dans un objectif qui est assez simple, qui est d'ancrer et de faire bouger durablement les collaborateurs. Merci beaucoup. Laurent, justement, sur l'impact que peuvent avoir l'apprentissage de ces soft skills grâce à toutes les actions menées par Guillaume, par exemple, c'est quoi l'impact sur un individu, en fait, au sein de l'entreprise ? Alors déjà, on peut dire que là, il y a toutes les recettes de la neuropédagogie qui sont appliquées. La pratique, le travail avec les pairs, ça favorise l'ancrage. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein, de notre point de vue, ce qu'on sait aujourd'hui en matière de neuropédagogie. Ce qui est important, c'est la répétition. Il faut que les réseaux neuronaux se connectent. Donc, on dit qu'il faut 3 semaines pour apprendre de nouvelles routines. Ben, c'est un peu ça. Là, c'est un peu plus long. Et puis, on réancre. Le fait de pratiquer, ça ancre encore. Mais ce qui est très important, c'est d'être dans le mode adaptatif du cerveau, c'est-à-dire l'intelligence adaptative dont je parlais tout à l'heure, qui est le mode des apprentissages, puisque c'est le mode de la nouveauté. Et il faut s'assurer que les apprenants sont dans ce mode-là quand ils apprennent. Parce que sinon, s'ils sont dans toute leur programmation, ça ne va pas rester, ça va être très éphémère, et on sera dans de la sensibilisation, mais pas dans de l'apprentissage. Donc, tout ce que disait Guillaume est super, et il faut juste rajouter la question d'être dans l'intelligence adaptative, et il y a des techniques pour ça, pour aider les gens à y rentrer. Raphaël, vous avez un commentaire ? Oui, je vous écoute et je trouve l'expression DRH malheureuse en vérité. Parce que les humains ne sont pas du pétrole. Hein. Les humains ne sont pas de la ressource. Je trouve DVH plus pertinent, c'est-à-dire directeur de valeurs humaines, au sens où on est à la fois du côté de l'humanité, au sens où le mot de valeur lui-même a cette ambivalence que je trouve intéressante en entreprise, qui est à la fois de désigner le prix et la valeur. Et je trouvais l'expression directeur de valeurs humaines plus adaptée en réalité au métier qui se dessine là. Et pour revenir sur cette différence entre les soft skills et les hard skills, il y a une parabole dans la République de Platon d'un capitaine de navire qui est très antipathique, il ne se fait pas aimer de son équipage, personne ne l'aime, etc. Il est tellement antipathique qu'on finit par le jeter par-dessus bord. Et avant de se demander qui va piloter le navire, et évidemment de vérifier que personne n'en est capable. Et c'est une parabole intéressante parce que dans la démarche de Platon, c'est une critique de l'idée selon laquelle... C'est une critique de l'idée démocratique selon laquelle nous serions tous égaux. Et en vérité, la démocratie où nous vivons souffre d'une confusion qui est au cœur, je crois, des problématiques qui sont les vôtres, souffre d'une confusion entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. C'est-à-dire, on fait comme si le fait que nous ayons des droits égaux nous donnait des compétences égales. Ça donne des gens qui passent 10 minutes sur Doctissimo avant de se prendre pour des médecins, si vous voulez. Et ça, c'est une pathologie typiquement démocratique. Et c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que le problème, c'est revaloriser des soft skills à l'époque où les hard skills elles-mêmes, ou l'expertise, ce que j'appellerais l'expertise, est d'une certaine manière dévalorisée. C'est-à-dire, on fait comme si la détention d'un savoir était la détention d'un pouvoir, comme si quelqu'un détenant un savoir en avait dépossédé ceux qui ne l'avaient pas. Nous vivons une époque qui pense comme ça. Les Gilets jaunes pensaient comme ça. Nous vivons une époque qui raisonne de cette manière-là et qui croit faire avancer l'égalité en contestant la différence de compétences entre les gens. Donc, on parle de soft skills, mais il ne faut pas oublier le fait que la période est difficile pour l'expertise elle-même. Parce que le sentiment que l'expert est quelqu'un qui nous a dérobé le savoir dont il dispose est un sentiment qu'il est flatteur d'éprouver, qui donne de soi-même une perception héroïque, et peu importe que ce soit faux. Tout à fait. Époque compliquée aussi par une baisse de l'engagement de manière générale, une démotivation au travail, beaucoup de stress... Et des employeurs vertueux cherchent à lutter contre ça, Skillsday, mais aussi Nexity. Est-ce que, Guillaume, tu peux nous donner quelques pistes pour justement agir sur cette démotivation, sur ce manque d'engagement, peut-être grâce aux fameux soft skills dont on parle ? Alors là, il faudrait une table ronde entière sur le sujet. Je vais essayer de faire succinct, mais... Il y a déjà une différence entre, on parle de stress, on parle de démotivation. Alors, il peut y avoir un lien entre les deux, mais les deux ne sont pas forcément liés. Je pense que ça, c'est important de le clarifier.
Moi, là-dessus, j'aurais plutôt une approche assez pratico-pratique. Je pense que il y a l'organisation, il y a le rôle du manager. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais je ne sais pas si les soft skills vont lutter contre la démotivation. Ça me paraît très ambitieux et je ne suis pas sûr que ce soit une baguette magique. En revanche, là où je pense que ça peut contribuer à l'engagement des collaborateurs au-delà des soft skills, mais les sujets de formation, c'est que si on fait un pas de côté et qu'on regarde tout ce qui est les théories de l'autodétermination, etc., et les travaux d'Herzberg là-dessus, en fait, ils découpent les choses en deux grandes familles. Il y a les attentes intrinsèques et les attentes extrinsèques. Donc nous, quand on l'explique à nos managers, pour le rendre plus digeste et moins théorique, on parle des sucres lents et des sucres rapides. Donc les attentes intrinsèques, c'est tout ce qui va toucher au levier du plaisir et du sens. Et donc c'est plutôt des sucres lents. Et les sucres rapides, c'est tout ce qui va toucher à la volonté et au devoir. Donc du coup, par exemple, l'aspect rémunération, je demande une augmentation, j'ai une augmentation, c'est un sucre rapide qui va être consommé du coup très rapidement, puisque je pense qu'on l'a tous expérimenté dans la salle, on est très content sur le coup, on est très content quelques jours, voire quelques semaines après, et très vite, mon nouveau niveau de salaire devient une normalité, puisqu'il équivaut à mon engagement pour l'entreprise, et donc j'estime que je suis payé à ma juste valeur. Donc ça, c'est un sucre rapide. Là où la formation et donc nourrir les compétences, c'est intéressant, c'est qu'elles vont nourrir un levier qui est plutôt un levier intrinsèque, donc les sucres lents, qui est le besoin de chacun d'être en maîtrise des sujets qu'on lui donne. Donc plus je suis formé, plus je vais être en maîtrise. Et donc, plus je vais être à l'aise sur les missions que je vais devoir délivrer, plus peut-être je peux aller aussi gagner de l'autonomie, qui est un autre levier sur cet aspect-là. Et donc, c'est en ça, je pense, que les sujets de formation, alors que ce soit soft skills ou autre, mais permettent sans doute de générer de l'engagement. Et après, je crois que c'est surtout un subtil mélange des deux et que, voilà, c'est des paramètres qui sont très humains, tout ça. Donc, il n'y a pas de règle magique. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Si vous la connaissez, on la partagera avec plaisir. Je ne l'ai pas trouvé non plus, Laurent. Un avis sur la question de la motivation et du stress. Alors, un avis lié à l'étude que nous avons réalisée, Skills Day des partenaires, qui s'appelle Effet 2021, sur les leviers de l'engagement et du stress, enfin de la diminution du stress. Et ce qu'on a vu, c'est complètement cohérent avec ce que Guillaume vient de dire, à savoir que pour agir sur l'engagement, eh bien, il faut qu'il y ait une cohérence entre les motivations intrinsèques des individus et leur poste. Donc tout l'art consiste à identifier ces motivations intrinsèques, et c'est ce sur quoi on travaille. Mais le facteur numéro un d'action sur l'engagement, ce qui agit le plus, c'est l'adaptativité. C'est les capacités d'adaptation des individus qu'il faut développer, parce que l'engagement, c'est quoi ? C'est la résilience à l'échec, c'est-à-dire on se remet à bord quand on s'est pris un échec, on s'est pris une claque au travail, et on est capable de faire la part des choses dans son boulot, de voir les plus et les moins. Donc c'est pour ça que l'adaptativité est clé, et sur la diminution du stress, c'est beaucoup moins explicatif, mais ça agit quand même, puisque là, pour la réduction du stress, c'est plutôt des facteurs managériaux, organisationnels qui jouent, et moins des facteurs humains, alors que ce sont les facteurs humains qui sont clés pour agir sur l'engagement, et c'est pour ça qu'il faut agir sur l'humain. Merci beaucoup. Donc, on parlait donc de stress, de manque d'engagement. Tout à l'heure, je parlais de bien-être, une notion qui est essentielle, surtout dans le contexte actuel. Raphaël, est-ce que vous avez un éclairage sur cette notion du bien-être au travail, si les deux sont compatibles ? Oui, ben c'est une vraie question, parce que je vous renvoie aux travaux de Michaela Marzano sur la question du travail, précisément, où elle démontre... Alors, elle a écrit ça il y a 10 ans, à l'époque de l'émergence du Googleplex. Et elle dit, c'est extraordinaire de voir à quel point le culte du bien-être au travail, la célébration du bien-être au travail, est en réalité un alibi, enfin l'alibi d'une exploitation renouvelée. Et ça va très loin, puisqu'elle décrit des comportements qui doivent être les comportements en entreprise. C'est-à-dire qu'il fallait en entreprise, il y a 10 ans chez Google par exemple, ne pas trop donner le sentiment qu'on bossait. C'était très important, parce que ça voulait montrer qu'on n'était pas laborieux. Donc il fallait donner de soi-même l'image de quelqu'un de nonchalant qui travaillait d'autant plus. Donc le travail consistait à dissimuler qu'on travaillait. Au nom d'une idéologie qui était celle du bien-être au travail, qui était celle de l'épanouissement comme facteur premier, mais qui en réalité est une idéologie biaisée d'emblée par le fait que, comme on le dit, un salarié épanoui est un salarié efficace. Autrement dit, le seul enjeu du bonheur ou du bien-être au travail, c'est d'affermir le boulon, si vous voulez. Donc c'est pas comme ça qu'on trouve du sens. De façon générale, c'est pas par le bonheur qu'on trouve du sens dans la vie. Avez-vous jamais été heureux dans votre vie sans qu'une petite voix vous dise à l'oreille « Dépêche-toi, ça va pas durer ». Le bonheur est toujours anxieux. Le bonheur est toujours anxieux. Et derrière ça, il y a une réflexion sur l'idée de but.
parmi les hard skills ou soft skills, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. C'est une métaphore de Sénèque, c'est la métaphore de l'archer. Sénèque dit, vous êtes un archer, vous devez atteindre le centre de la cible. Comment allez-vous vous y prendre pour atteindre le centre de la cible? Deux méthodes. Soit vous visez le centre de la cible et vous ne l'atteignez pas. Parce que entre vous et le centre de la cible s'interpose un coup de vent, une migraine, un faux pas, une pensée, quelque chose, etc. qui fait que sans dépendre de vous, et vous n'atteignez pas le centre de la cible. Soit, dit Sénèque, vous faites ce qui ne dépend que de vous, et pour les stoïciens, la liberté c'est ça, ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Donc faites ce qui dépend de vous. Qu'est-ce qui dépend de vous? Bandez correctement l'arc, tirez correctement, accomplir le geste correctement, c'est-à-dire l'excellence de votre propre action, de votre propre activité, doit devenir une fin en soi. Et il y a là quelque chose, je trouve, de très intéressant, parce que en entreprise, nous vivons sous le règne du but, c'est-à-dire que d'une sanction objective, avez-vous réussi ou avez-vous raté, on quantifie la réussite ou l'échec. Ce qui va avec un pays snob qui considère que l'échec est une défaite, si vous voulez. Alors que, en réalité, échouer, c'est juste apprendre. De ce point de vue, le paradigme de l'archer, qui consiste à dire que ce qui dépend de soi, c'est d'accomplir correctement le geste, c'est la rectitude du geste, dit Sénèque, plus que le centre de la cible, cette inversion de la causalité, ce rappel à l'excellence individuelle, le rappel à l'idée qu'il faut entretenir avec son travail, avec son activité, un intérêt pour l'activité en elle-même, avant même, en amont même de ce qu'elle rapporte, c'est-à-dire des satisfactions extrinsèques, rappeler cette idée-là me paraît tout à fait essentielle parce que c'est une façon de rendre un individu invincible à la mauvaise nouvelle, dans la mesure où il y a ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. On ne peut pas subordonner notre humeur, faire dépendre notre état de conscience de ce qui ne dépend pas de soi, sinon c'est une vie d'esclave. Et nous ne sommes pas des esclaves. Ça reste à voir. Alors ça sera la conclusion. Clément, tu parles avec beaucoup de RH, de DRH tout le temps, DVH, DRH, je ne sais plus maintenant. Jusqu'où l'entreprise peut aller sur cette notion de bien-être slash liberté slash tout ce qu'on a dit auparavant? Ouh là là, idem, c'est un sujet dont on pourrait parler des heures. C'était un sujet d'ailleurs au Clash RH le mois dernier à Station F. Jusqu'où l'entreprise doit aller en termes de bonheur au travail? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ou pas? C'est une vraie question. Je pense qu'il faut peut-être la prendre dans l'autre sens et se dire que le premier rôle de l'entreprise, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas du malheur ou du mal-être au travail. On parle beaucoup de RPS, de risques psychosociaux. On parle beaucoup de TMS, de troubles musculosquelettiques. Donc que ce soit sur la santé physique ou la santé mentale, il y a des risques. Et selon moi, le premier rôle de l'entreprise, c'est de s'assurer qu'on limite ces risques. Après, on parlait de causes... de causes qui ne dépendent pas nécessairement de nous, le bonheur, ça ne peut pas dépendre uniquement de l'entreprise. C'est-à-dire, on vit tous dans un environnement, que ce soit un contexte familial, personnel, professionnel, voire même juste le fait que dans le métro, il y a quelqu'un qui nous a poussé, ou sur notre trajet en voiture, il y a quelqu'un qui nous est rentré dedans. Ça va avoir un impact direct sur notre bien-être ou notre bonheur, et ça, l'entreprise, elle ne peut pas avoir un rôle là-dessus, quoi. Elle ne peut pas aller péter les genoux de la personne qui nous a poussé dans le métro. Et puis sinon, c'est quelqu'un d'autre qui sera triste, et du coup, son entreprise n'aura pas fait son taf. Donc, je pense qu'avant tout, l'entreprise, son rôle, c'est de s'assurer de ça, en fait, d'éviter le mal-être, d'éviter le malheur. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de start-up qui proposent des choses autour de ça. Les TMS et la santé physique, ça fait quand même pas mal de temps, mais sur la santé mentale, c'est un sujet qui a pris énormément d'ampleur, notamment avec la crise Covid, et on voit de plus en plus de startups qui proposent des plateformes de santé mentale, justement de la mise en relation avec des professionnels de santé dont c'est le métier, pour accompagner les collaborateurs. Il y a eu beaucoup de dégâts, malheureusement, dus à l'isolement, dus à la crise chez beaucoup de personnes, dus à des décès aussi de proches, potentiellement, à cause de la maladie ou autre. Selon moi, c'est quand même du rôle de l'entreprise d'être capable d'accompagner. Alors, pas directement, hein, qu'on soit clair, le métier de DRH, ce n'est pas un métier de psychologue. Hein, et je pense qu'il y a peu de DRH qui sont capables d'accompagner, il y en a sûrement. Mais avant tout, du coup, c'est de mettre en relation des professionnels de santé avec les collaborateurs. Et pour moi, là, il y a une attente. Merci Clément. On repasse sur une partie un peu plus joyeuse, créativité et esprit d'entreprendre. Des soft skills qui, du coup, sont transmis par l'entreprise dans le meilleur des mondes à ses salariés.
mais ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps de former aux soft skills, ça prend de la répétition, ça prend un esprit aussi global d'entreprise qui soit favorable à tout ça. Et la question pour un chef d'entreprise, c'est une fois qu'on est sensibilisé à un soft skill, comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne une habitude, une compétence bien ancrée, et que bah, tous les jours, Arthur, tu n'aies pas à rabâcher les mêmes choses ? Si, il faut le rabâcher, ça fait partie du, ça fait partie du job, et ça fait partie de ce qu'on sait de l'apprentissage moderne et de l'apprentissage des soft skills. La logique historique de la formation que j'appelle « trois petits tours et puis s'en vont », où tu sais, comme disait un de nos amis, tu brûles un cierge à l'issue de la formation en espérant qu'il va se passer quelque chose. On sait que ce temps-là est révolu, et en matière d'enseignement des soft skills, c'est encore plus vrai. On doit partir sur des parcours qui sont justement des parcours, qui ne sont plus des événements uniques. Donc on parle évidemment de multimodalité, on parle de répétition, on parle de périodes courtes et répétées. Et puis on va vraiment s'intéresser aux modalités. En matière d'enseignement des soft skills, je peux t'apprendre à poser une question ouverte où tu vas savoir ce que c'est qu'une question fermée. C'est bien, c'est la dimension théorique qu'on va apprendre par la dimension de micro-learning. Mais si derrière tu t'entraînes pas et que tu répètes pas le geste entre guillemets bien sûr, si tu t'entraînes pas fondamentalement à poser des tonnes de questions ouvertes, tu ne vas pas ancrer cette notion-là. Donc, on va faire du micro-learning, on va faire du micro-training, et puis, idéalement, pour ancrer et pour générer une culture, on va faire du micro-coaching. On va réimpliquer les managers de managers, et puis même, idéalement, du social learning ou du coaching entre pairs. Et là, on va commencer à faire quelque chose de vraiment culturel dans les entreprises. Donc, pour ancrer tout ça, on va développer des cultures, finalement. On va développer la culture du feedback et le social learning. Génial, merci. Susanna, avec ton angle organisationnel et ta vision du terrain, comment on ancre une compétence douce chez des collaborateurs, des salariés ? Oui, tout à fait. Donc, pour le présenter de manière très claire, pour pratiquer ou mettre en œuvre une soft skills qu'on aura appris en formation, dire qu'il y a trois choses. Il y a le savoir, c'est-à-dire avoir eu un déclic, une prise de conscience sur l'importance d'une soft skills et comprendre en quoi elle consiste et avoir peut-être quelques techniques, comme disait Arthur, savoir à quel moment j'utilise une question fermée, est-ce qu'il y a une question fermée et à quel moment j'utilise une question ouverte et comment on fabrique une question ouverte. Vouloir, donc ça touche la motivation. J'ai envie parce que je pense que ça va m'apporter quelque chose, que ça va me permettre de devenir un meilleur professionnel, d'avoir une meilleure rectitude peut-être du geste. Et ça, savoir et vouloir, c'est à la main de l'individu. Et ça, nous, en formation, on a aussi une prise là-dessus. Parce qu'on va transmettre les savoirs on va aussi le donner envie. On va faire de la promotion, on va faire de la publicité autour de la soft skills. Et le pouvoir, là, du coup, ça vient dans l'entreprise. Il faut être dans un environnement organisationnel qui le permette. Donc, je vais reprendre le mot à la mode entreprise apprenante. C'est une entreprise où on se donne des feedbacks, où on apprend les uns des autres, où on a les droits à l'erreur. Et c'est une entreprise où la transmission des savoirs, savoir-être et savoir-faire se fait tout azimut. Quelque part, indépendamment de ce qui est affiché sur l'organigramme, et la pyramide hiérarchique. Donc là, évidemment, vous voyez que ça peut se heurter encore à certains freins qui sont peut-être dans notre tête. Laurent, comme tu le disais, il y a encore un petit peu de travail sur l'ego des dirigeants et des managers pour que justement, libérer, et je ne parle pas de l'entreprise, libérer, mais libérer cette circulation des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Donc pour moi, c'est savoir, vouloir et pouvoir. Merci Susanna. Guillaume, sur cette question de l'ancrage, peut-être avec ce que vous faites au sein de Nexity. Oui, bien sûr. Alors je vais essayer de donner peut-être une approche complémentaire. On a beaucoup parlé d'ancrage qui repose sur finalement une décision individuelle de pratiquer, etc., au-delà du cadre qui peut être posé. Nous, il y a une démarche qu'on a lancée il y a quelques années et du coup, on a appris de cette démarche aussi, qui s'appelle la Fabrique by Nexity, où en gros, le pitch, c'est de dire comment on libère l'initiative dans l'organisation. C'était suite à un diagnostic qui avait été fait.
Et donc, pour construire, en fait, donc, c'est toute une démarche avec de la formation qui va permettre très souvent à des personnes qui sont en pilotage de projet de conduire des projets différemment avec d'autres méthodes. Donc, on a été chercher les méthodes des startups. Alors, pas du tout pour la mode du tout startup, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de startups qui aimeraient être Skills Day ou qui aimeraient être Nexity. Mais parce que, en fait, ce qui nous a vraiment intéressé dans la façon dont les startups elles travaillent, c'est que quand une startup elle lance une offre, un produit ou un service, si ça ne rencontre pas sa cible, alors la startup elle disparaît. Donc les startups elles ont un enjeu vital finalement à construire quelque chose qui réponde vraiment aux besoins de la cible, et c'est cet ADN là qu'on a voulu réinjecter chez nous. Alors on n'a pas la taille d'une startup, et même si on est orienté client, on peut parfois avoir des projets qui durent parfois un peu longtemps, et on fait de la surqualité, et quand ça sort ça n'intéresse plus personne. Donc on a essayé d'injecter ça. Donc on a fait de la formation, on a formé des chefs de projet au design thinking, au lean startup, enfin bon bref, le jargon vous le connaissez. Ça a porté ses fruits au démarrage et ça s'est essoufflé assez vite parce qu'en fait on s'est aperçu que les personnes qui étaient formées, elles avaient les yeux qui brillaient, elles repartaient avec des méthodes, elles repartaient avec des postures, elles repartaient avec des outils, avec une envie très forte de l'utiliser dans leur quotidien. Mais en fait il arrivait que certains managers leur disent avec beaucoup de bienveillance c'est très bien ce que tu as appris, mais on va continuer de faire comme on faisait avant. Donc là le sujet c'est comment on arrive à mettre le pied dans la porte pour pas faire du business as usual et faire en sorte que ces méthodes là elles soient utilisées, parce que nous on les identifie comme étant vertueuses pour nous et donc vertueuses pour nos clients. Et tout le job qu'on a fait, ça a été au-delà de cette première vague. Une fois qu'on a constaté ça, on a resensibilisé les managers, on a resensibilisé les dirigeants, et on a fait des trucs qui étaient un peu contre-culturels chez nous, en disant ces méthodes, elles vous permettent d'avoir à des étapes du projet des maquettes. Alors la maquette, c'est peut-être juste un skateboard, ce ne sera pas la limousine, mais au moins le skateboard, il est quand même viable. Donc c'était cette logique-là. Voilà. Après, c'est lutter contre des biais culturels de surqualité, de vouloir le produit avec le paquet, le ruban et l'étiquette. Voilà. Donc, je pense que toute cette histoire, pour dire une chose, c'est qu'il y a aussi une approche un peu systémique à avoir en faisant en sorte que les managers soient prêts à réunir les conditions favorables pour que les collaborateurs puissent pratiquer, tout simplement. Merci, c'est très clair dit comme ça, mais dans la pratique, c'est toujours un peu plus compliqué. Clément, tu m'as parlé d'e-doing. C'est nos amis américains qui font ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est dans la famille des concepts à la mode, j'appelle le e-doing. C'est vraiment ce concept de passer à l'action, de dire effectivement, une formation, c'est trop chouette. On en ressort avec des étoiles dans les yeux. On se dit, ah, trop bien. Et puis après, il y a l'enjeu de l'insérer dans le quotidien. Et quand on y pense, c'est logique. Enfin, le change management, c'est un métier parfois, ou en tout cas, c'est une compétence justement à développer. Est-ce que c'est un soft skills ? On peut en discuter. Mais la gestion du changement, ça existe et c'est pas pour rien. C'est parce que changer les choses du jour au lendemain, ça n'arrive jamais, en fait, presque jamais. Le seul moment que j'ai en tête où ça arrive, c'est quand il y a une crise sanitaire mondiale et qu'on nous dit à partir de demain, tu es en télétravail. Tu sais ce que tu essaies de négocier depuis 3 ans, là ? C'est bon. 5 jours par semaine, voilà. Et puis ensuite, ensuite on refait du jour au lendemain, allez, c'est reparti, en physique, en présentiel, voilà. Et malgré ça, même si on a essayé de le faire, ça n'a pas toujours marché, ça a souvent pris du temps, il y a des entreprises pour lesquelles c'était hyper compliqué d'avoir les clés VPN pour accéder aux trucs, les accès réseau, le machin, mais moi j'avais pas de laptop, j'avais un PC fixe, comment est-ce que je fais ? On va t'envoyer un laptop, tu le recevras dans une semaine. Pendant une semaine, je ne bosse plus. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui vont venir du coup se positionner sur ce concept du e-doing, de dire comment est-ce qu'on réintègre la formation qu'on a appris dans le quotidien. Alors on parle beaucoup aussi de learning by doing, d'apprentissage par l'action. On n'a jamais autant parlé de la FEST et de l'apprentissage en situation de travail que ces derniers temps. On peut utiliser des techniques comme le nudge aussi, en essayant d'ancrer, en mettant de la gamification également, avec des challenges. Il y a pas mal de boîtes qui ont proposé des challenges pendant 3 mois à la suite de la formation. Chaque jour ou chaque semaine, je vais avoir des petits challenges pour réintégrer ce que j'ai appris, ma méthode, dans mon quotidien, et me forcer à réutiliser les différentes techniques que j'ai apprises. Il y a aussi l'utilisation de communautés apprenantes, où la logique, c'est de dire j'étais en formation avec d'autres gens, et on va se challenger les uns les autres à mettre en pratique ce qu'on a appris ensemble, et on va créer une sorte de groupe où on se motive et on se tire vers le haut, et on s'engage à réutiliser le truc parce que régulièrement, on se réunit, on dit « Alors toi, comment t'as remis dans ton quotidien l'apprentissage de la formation ?»« Moi, j'ai fait comme si, j'ai rencontré telle problématique. Ah, moi, je l'ai contourné comme ça. » Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner. Il ne faut pas se dire « La formation, c'est un one-shot. Je mets mes collaborateurs pendant 6 heures dans une salle.
ouais, ils ont des lunchbox, ils sont contents. Et puis demain, ils retournent au boulot, ils doivent rattraper tous les mails de la journée. Mais c'est bon, je suis confiant, quoi. Ils ont été formés, j'ai coché ma case de Jean-Michel, il a été formé, et j'ai plus rien à faire, quoi. Non, non, c'est un accompagnement longue durée, et il faut accompagner le changement et la chose dans la durée. Merci Clément, et pour boucler sur l'ancrage, Laurent, avec l'angle neuropédagogique, peut-être. Oui, alors c'est ce qu'on a dit, hein, exactement, c'est qu'il faut répéter, il faut faire, et il faut avoir des groupes de pairs, il faut stimuler en permanence, et puis le nudge qui a été évoqué aussi est très important pour faciliter la mise en action, et c'est toujours l'activation du circuit de la récompense aussi. On est connecté comme ça, c'est-à-dire qu'on apprend, il faut qu'on y prenne du plaisir, et si on y prend du plaisir, on va se souvenir qu'on a pris du plaisir, donc on aura intérêt à répéter l'opération plein de fois et donc à ancrer dans son quotidien. Donc il faut que ça devienne un vrai plaisir pour le faire. C'est malheureusement la façon dont on est construit. Et c'est pour ça que quand quelque chose nous est déplaisant, que ça ne correspond pas à nos motivations intrinsèques qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, c'est plus dur à mettre en œuvre. Pardon les amis, mais on ne dresse pas les chiens différemment. Je suis désolé de le dire. On essaie de susciter une réaction de plaisir à l'ajout de quelque chose et on provoque chez lui une réaction automatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des paradoxes que je découvre en vous écoutant, c'est que la célébration des soft skills, c'est-à-dire de l'humanité qui est au cœur de l'entreprise, s'accommode de procédures qui consistent à, non pas déshumaniser les individus, mais quasiment produire chez eux des comportements réflexes. Et donc je me demande s'il n'y a pas là une contradiction entre, d'un côté, l'ambition, qui est d'humaniser une entreprise, et de l'autre côté, les moyens qu'on se donne, qui est quand même de produire des comportements qui viennent de façon irréfléchie, non ? Est-ce que c'est pas... Alors, il faut avoir en tête que le nudge, par exemple, c'est une manipulation librement consentie. Librement consenti, non. C'est-à-dire qu'on en est conscient. Oui, mais non. Prenez la mouche au centre de l'urinoir, par exemple. Oui. La mouche au centre de l'urinoir a divisé par 8 les frais d'entretien dans les toilettes, Exactement. Dans les restaurants. Pourquoi ? Parce que l'homme vise... Voilà. Les gens qui ont conçu la mouche dans les urinoirs savaient ça, devançaient ceci. Alors, évidemment, on vit mieux dans un monde où les humains pissent droit. Bien, d'accord, c'est vrai. Le vivre ensemble présume qu'on vit mieux de cette façon-là. Mais le biais par lequel on l'obtient doit lui-même susciter l'interrogation. C'est-à-dire qu'on l'obtient par une suggestion discrète. S'adresse pas à votre conscience. Vaut peut-être mieux quand même l'obtenir par une suggestion discrète que par une formation de 3 heures où j'explique pourquoi pisser au centre de l'urinoir c'est mieux qu'à côté. Non, c'est vrai. Je pense que le message passera mieux avec la mouche au centre de l'urinoir et que du coup on est tous gagnants. C'est parce qu'il n'y a pas de message. Si on met une mouche au centre de l'urinoir, il n'y a plus de message. On fait l'économie du message. C'est-à-dire, on n'est pas là à dire l'enjeu c'est de construire un monde commun dans lequel vous devez, par respect pour les autres, adopter le comportement le plus normal. Non, on a renoncé à ça, en fait. On l'a remplacé par l'introduction de réflexes qu'on distille dans les entreprises. C'est autre chose. Laurent, tu boucles et après... Le changement, en fait, c'est 3 étapes. C'est déjà la démarche que vous évoquez, c'est la démarche cognitive. J'adhère, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des coups de nettoyage qui sont très importants. Après, c'est la démarche émotionnelle, c'est j'accepte de faire un effort. Ça, c'est la deuxième bascule. Et la troisième, c'est l'aide à la mise... C'est je vise la mouche et ça utilise tous nos biais cognitifs. Effectivement, ça utilise nos biais cognitifs, mais on en est conscient. C'est ça la différence. Et en une phrase, Anne-Charlotte, mais en fait, ce qui fonctionne, c'est l'adéquation des deux. On n'est pas dans un monde où c'est noir ou blanc. On ne dit pas il faut soit une formation de 3 heures, soit une mouche dans l'urinoir. On dit en fait il faut les deux. Il y a la formation et ensuite il y a le nudge. Et ce qui fonctionne, c'est que j'ai eu la formation, donc l'aspect théorique, je l'ai, et ensuite, je l'intègre dans ma pratique. Et c'est l'adéquation des deux qui fait qu'on arrive au résultat optimal pour la transmission d'un savoir. Je reprends le contrôle parce qu'il faut avancer, mais c'était passionnant, cette petite aparté. Quand on est chef d'entreprise, on a quand même des priorités à mettre en place au quotidien, on a des décisions à prendre. Quand on décide d'investir dans les soft skills, il y a aussi l'envie qu'il y ait des performances qui soient au rendez-vous. Donc, quand j'investis dans mes salariés, quand je les forme aux soft skills, c'est quoi les améliorations, Arthur, que je peux attendre en tant qu'employeur ? C'est une bonne question, la question des améliorations, mais je voudrais traiter ça un peu différemment. Et ça me fait penser à ces deux chefs d'entreprise qui discutent. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, tu formes tes collaborateurs, toi, sur les soft skills ? Et oui, bien sûr, évidemment. L'autre répond, mais... T'as pas peur qu'ils progressent et puis que derrière ils partent à la concurrence ? Et l'autre de répondre, si, mais j'ai aussi peur que si je fais rien, ils restent.
Donc, c'est pas toujours facile à mesurer, je crois qu'on va en reparler, mais il n'y a pas de questions à se poser. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même un cadre légal. Le gouvernement incite particulièrement à former notamment aux soft skills. C'est bien pratique, les collaborateurs seront meilleurs et derrière, ils seront a priori moins au chômage. Donc, en tout cas, il y a cette idée ou cette intention. Hein. Les gouvernements successifs investissent dans la formation sur ces sujets. L'entreprise répond à cette obligation légale, mais fondamentalement, moi, je suis convaincu que... Il n'y a pas de sujet. En fait, c'est juste une obligation vitale de performance des entreprises dont il est question ici. Sur ce sujet de la performance, justement, un mot qui parfois fait peur en France. Guillaume, qu'est-ce qu'on attend de nos salariés quand on... Alors, comme on est en retard, et je vais te faire plaisir, je vais faire une réponse très courte. En fait, ça a échappé à personne, on n'est pas une asso à but non lucratif. Donc, c'est de la performance qu'on attend de tout ça, en fait. C'est-à-dire, performance, c'est-à-dire que c'est créer de la valeur, donc créer de la valeur pour l'entreprise et donc pour nos clients. Si on investit sur nos collaborateurs pour les développer, c'est ça qui est recherché in fine. Donc, je pense que la réponse, elle est assez claire là-dessus. Et puis après, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va muscler l'autonomie des gens, leur maîtrise des sujets, ils vont être plus engagés. Et s'ils sont plus engagés, ils vont mieux satisfaire les clients, etc., etc. C'est un cercle vertueux. Merci Guillaume. Et j'enchaîne sur ma prochaine question qui était justement la mesure d'impact. Comment est-ce qu'on est capable de mesurer ou de traquer l'efficacité d'une formation aux soft skills? Parce que donc, tu m'évoquais plein de progrès espérés, mais comment est-ce qu'on vérifie que c'est mis en place? Et parfois ça fait d'ailleurs peur aussi. Il y avait des débats sur LinkedIn la semaine dernière sur ces sujets. Les salariés peuvent avoir peur d'être évalués sur ces nouvelles compétences parce que parfois ça peut être perçu aussi comme un blocage de carrière. Donc comment est-ce qu'on mesure l'efficacité et comment est-ce qu'on résout aussi parfois ces peurs irrationnelles sur la mise en place de nouveaux indicateurs? C'est un vaste sujet, hein, le ROI de la formation. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus ou moins tangible. Je ne vais pas paraphraser ce que nous disait en introduction Raphaël sur la différence entre soft skills et hard skills. Si on part du principe que finalement ce qui définit une hard skills, c'est le fait que c'est une chose qu'on peut faire d'une seule façon versus les soft skills. Bon, les hard skills sont assez faciles à mesurer. Est-ce que j'ai été formé? Est-ce que je suis opérationnel ou pas? C'est plutôt binaire comme approche. Si je simplifie, sur les soft skills, c'est quand même plus délicat, c'est-à-dire que l'appréciation peut en être différente selon la personne. Par exemple, si on forme quelqu'un sur sa capacité à communiquer avec impact ou à rentrer en relation de façon interpersonnelle avec d'autres personnes, donc partons du principe qu'une personne a été formée et donc est désormais capable d'interagir de façon fluide avec ce qu'on pourrait appeler de l'efficacité relationnelle, si on doit le nommer. On va interroger deux personnes qui ont été adressées par cette personne formée. Il y en a un qui va nous dire « Moi, je l'ai trouvé très bon, il avait beaucoup d'impact parce que j'ai trouvé qu'il était très clair, il était précis, il donnait des chiffres. » Donc là, on va dire « Ok, on valide, la personne a été formée, donc la compétence est acquise. » Et on va demander à un autre interlocuteur qui va dire « Moi, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune émotion, j'ai pas compris quel était l'objectif, etc. » Donc, on voit bien que c'est pas si facile que ça d'évaluer, parce que sur une même compétence, elle peut être perçue, elle peut être réceptionnée différemment par un interlocuteur. Donc, il y a ce sujet-là. Je pense que le plus à même d'apprécier l'évolution, c'est soit la personne elle-même, soit son manager, soit ses latéraux, c'est-à-dire les pairs avec qui il va échanger et qui vont dire « moi, je trouve que tu as progressé là-dessus ou pas ». Donc, ça, c'est de la rétroaction, ça va être du feedback. Et sinon, alors après, il y a des moyens. Nous, on en utilise, mais là, on dévie un peu du sujet. À mon avis, c'est tout ce qui touche aux assessments, c'est-à-dire que là, c'est des dispositifs, nous, qu'on réserve plutôt... soit des managers, soit des parcours pour les nos parcours pour les potentiels, qui s'appuient sur une conviction qui est que on améliore que ce qu'on mesure, et donc les assessments, ils permettent quand même, au travers d'une journée de mise en situation, etc., d'aller diagnostiquer de façon très précise où en est telle personne sur telle compétence et d'où on part pour la muscler derrière, voilà. Et Laurent, est-ce que vous pensez qu'une entreprise peut se permettre de mesurer les soft skills de ses salariés? Est-ce que c'est éthique, étant donné la diversité des profils qui... Alors, je ne répondrai pas sur l'éthique, hein, je répondrai sur les méthodes. Je laisserai à Raphaël la réponse sur l'éthique. Sur les méthodes, c'est compliqué, c'est ce que vient d'expliquer Guillaume. Nous, on a essayé de construire un inventaire de dynamique comportementale, pas de personnalité, hein, d'essayer d'identifier ce qu'il y a sous le capot, ce qui met les gens en action, et en particulier le niveau d'adaptativité des individus, leur
capacité à résister au changement. Et c'est la seule chose qu'on peut vraiment mesurer. On le fait dans le cadre d'assessment. On intègre cet outil dans le cadre d'assessment. Et puis, on utilise effectivement les méthodes qui ont été évoquées par Guillaume. Mais sur l'éthique, je pense que Raphaël sera plus à même de répondre. Ou sans aller jusqu'à l'éthique, mais effectivement, si il y a une contradiction peut-être dans le fait de faire cette différence, si on suit la différence qu'on a faite entre soft skills et hard skills, en termes par exemple de mesurabilité, un hard skill peut se mesurer, l'expertise est plus aisément quantifiable, il me semble qu'il y a un paradoxe et peut-être une contradiction, et on est vraiment au cœur de cette contradiction, dans l'ambition de mesurer ce qui n'est pas mesurable. Et il me semble que la question des soft skills suppose peut-être qu'on fasse entrer comme paradigme inédit dans une entreprise la notion d'inquantifiable. Il y a ce qu'on ne peut pas quantifier, tout simplement. Il y a l'investissement qu'on ne peut pas quantifier. Qui sait le bénéfice qu'on va retirer d'un enseignement, non pas abstrait, un soft skill n'a rien d'abstrait, bien sûr, mais d'un enseignement qui fait si peu l'objet d'un corpus établi. On ne transmet pas la sympathie l'intelligence situationnelle comme on transmet la maîtrise des statistiques, si vous voulez. Ça n'est pas la même transmission. Et donc, j'en viens à ma chapelle. Je ne vois que des bénéfices à faire de la philo en entreprise, en vérité. À raisonner sur le savoir. Raisonner, par exemple, un exemple. On parlait de pouvoir tout à l'heure. La question, le savoir est-il un pouvoir? Bon, c'est une question qui est prise en philo, qui est prise en charge par main penseur, mais sans aller si loin. Le mot de pouvoir quelque chose, ça signifie à la fois qu'on est en capacité de faire quelque chose, et ça signifie aussi qu'on en a l'autorisation. Et bien souvent, on confond les deux. C'est-à-dire, on fait comme si ce qu'on ne peut pas faire, eh bien, venait du fait qu'on nous l'avait interdit. Or, concrètement, vous pouvez tous courir le 100 mètres en 9 secondes 50. Personne ne vous en empêche, mais vous n'en êtes pas capable, vous n'en avez pas la capacité. Et travailler sur la différence, l'ambivalence du mot de pouvoir et la confusion qui va avec le sentiment qu'en somme, ce qu'on ne nous empêche pas de faire, on peut le réaliser, cette idée-là qui est complètement folle, travailler sur cette idée-là me paraît utile précisément. C'est-à-dire, c'est une façon d'évaluer les soft skills qui échappe, me semble-t-il, au prisme un peu stérilisant de la stricte quantification d'une évaluation chiffrée. Arthur, je te laisse rebondir sur justement comment on mesure l'efficacité des soft skills et si on peut le faire. Alors moi, je crois que ça évolue. On n'en est pas là. On n'est pas encore bon sur ce sujet. Mais moi, je diaboliserai pas la notion d'essayer de quantifier les soft skills. C'est un mythe. On sait qu'il y a plein de levées de fonds d'ailleurs aux États-Unis sur ces sujets, qu'on cherche beaucoup à investir sur cette thématique. Mais il y a un débat, et ce débat, je le respecte. Quand on y réfléchit sur ce sujet, c'est hyper angoissant et excitant à la fois d'en savoir plus sur soi-même et sur son niveau aux soft skills. Et moi, je crois que c'est ça la source de ce débat. On pourrait rigoler de ça, on pourrait imaginer le prof qui rend les copies de soft skills. Bon, ben, je vous ai corrigé vos copies de soft skills, c'est pas brillant. Germaine, t'as encore eu 2 sur 20 en empathie. Faudrait que tu fasses un effort. Jean-Jacques, en courage, t'as eu 22 sur 20. Donc là, faudrait y aller mollo. Et puis Michel, t'as 10 sur 20 en assertivité. C'est médiocre, mais en même temps, personne ne sait ce que c'est que l'assertivité, donc on s'en fout. Et donc je blague sur ce sujet-là, mais je crois en réalité que ça peut se mesurer, ça terrorise juste les gens. Et en même temps, on sait que ça excite énormément les gens. L'intérêt de tout le monde pour... soit les inventaires de personnalité, soit j'ose le mot, les tests de personnalité ou les inventaires comportementaux, etc. J'ose tous les mots. Ou les questionnaires de Biba, mais absolument, Susanna. En fait, on voit bien que ça excite complètement les gens d'en savoir plus sur eux-mêmes, de se benchmarker finalement sur ces logiques de soft skills. J'avais plein d'autres questions pour vous, mais j'arrive à la dernière question, parce qu'on aimerait garder 10 minutes pour échanger avec vous et ceux et celles derrière l'écran. Du coup, dernière question sur justement, quand on interroge les cadres français, les soft skills qui ressortent en top priorité à apprendre, ce sont l'organisation, l'autonomie et l'adaptation.
Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus. Et du coup, je voulais demander à chacun de nos invités quels soft skills étaient le plus important pour eux dans le milieu professionnel et pourquoi. Donc, vous avez tous 40 secondes pour me dire quels soft skills et pourquoi est le plus important pour vous. Zvenia, je te laisse répondre en premier. Moi, je dirais que c'est la capacité, la prononce, donc la capacité à apprendre constamment, parce qu'on ne va jamais arrêter d'apprendre dans un monde qui se développe aussi vite. Et aussi la capacité d'avoir un esprit critique et de voir les choses d'un autre angle et d'accepter aussi qu'on peut voir les choses différemment. Pour moi, ça me paraît juste essentiel. Merci. Laurent. Alors pour moi, c'est la capacité à mobiliser son mode mental adaptatif, parce que c'est celui de la nuance, de l'objectivité, de l'apprenance, etc. Donc tout est embarqué, c'est simplement une capacité qu'il faut muscler. Et je rajouterais l'empathie, la capacité à comprendre les autres, parce que ça a été identifié comme un des facteurs de performance clé des équipes, c'est la capacité à bien se comprendre. Je dirais la capacité à se remettre d'un échec presque en amont de tout cela, c'est-à-dire la capacité à ne pas interpréter l'échec comme une défaite, mais comme précisément l'occasion d'un apprentissage, ce qui me paraît une capacité assez paradoxale, enfin je ne veux pas tirer de généralité, mais assez peu répandue en réalité, et ô combien éminemment souhaitable, et qui nous obligera à sortir du paradigme de la victoire ou de l'échec, si vous voulez, du strict paradigme quantitatif, du est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as raté. Je ne suis pas sûr que ces mots-là, comment dire, il y a quelque chose de définitif dans ce jugement qui me paraît totalement inadapté à l'entreprise aujourd'hui. Merci. Susanna. Moi, je vais parler de l'optimisme. C'est le mot invincible qui m'a beaucoup inspirée, que vous avez dit. Et que moi, ce que j'aimerais voir chez nos collaborateurs, chez Skills Day, c'est se croire invincible sur mon geste, sur la maîtrise de ce que j'ai fait. Du coup, avoir une vision positive et optimiste de ce que je suis en capacité de faire. Et l'intelligence situationnelle, pour moi, c'est très important. Ça implique le cerveau et le cœur. C'est vraiment les deux. Et pour ces deux qualités, ou soft skills, si on veut dire différemment, il y a une responsabilité individuelle, c'est-à-dire il faut se connaître et travailler sur soi. Je ne vois pas comment on peut développer les soft skills sans cela. Et il y a aussi une responsabilité de l'organisation et des managers de donner l'exemple, d'être exemplaire là-dessus. Merci beaucoup. Moi, je souscris à ce que Svenia a dit. Pour moi, c'est apprendre à apprendre. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est accepter que ce qui était vrai hier ne sera peut-être pas vrai peut-être demain. Et donc, par rapport à ça, on est dans cette espèce d'agilité, de plasticité, d'apprendre à apprendre en continu dans une époque où tout s'accélère tellement vite. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est incontournable. En tout cas, c'est ma conviction. Amen. Clément, à toi. J'allais dire apprendre à apprendre aussi, donc je vais chercher autre chose. Non, plus sérieusement pour moi, savoir apprendre, c'est hyper important. Si je devais ajouter quelque chose de complémentaire, à ce moment-là, ce serait la curiosité. Parce que si on sait apprendre, c'est trop bien, mais si on va chercher les choses pour les apprendre, si on a cette curiosité d'aller se renseigner, d'aller s'intéresser à un petit peu tout, à différents domaines, on l'a vu aujourd'hui, je pense que c'est une belle illustration de cette table ronde, on a des personnes avec des expertises hyper complémentaires et pourtant différentes, et ça permet d'avoir un vrai regard à 360 sur un sujet et d'apporter de la vraie valeur. Et je pense que cette curiosité d'aller regarder dans d'autres domaines ce qui se fait, c'est génial. Et moi, je le dis souvent, le RH de demain, pour moi, c'est un RH qui est aussi un marketeur, un communicant, qui sait parler chiffres, qui est à l'aise avec des outils IT. Donc, en fait, c'est un RH qui développe des compétences dans plein d'autres domaines. Et ça se fait aussi par la curiosité. Arthur, on est là grâce à toi aujourd'hui. Alors, je te laisse le mot de la fin. T'es gentil. Je ne peux pas répondre à cette question. En fait, pourquoi je ne peux pas répondre à cette question? Parce que, chez ce qu'ils disaient, on est trop amoureux des soft skills en général. Tu me demandes de choisir entre papa et maman, là. Elles sont maman, toutes importantes. Et j'ai entendu chacun parler, je me suis dit, pour Svenia, ouais, elle a raison. Après Laurent, ah bah oui, il a raison. Puis Raphaël, et puis... Alors justement, mais regarde, j'allais te réserver cet effet. Bien sûr, j'ai adoré entendre Susanna parler d'optimisme. Et en fait, j'ai adoré toutes celles qui ont été mentionnées, vraiment, et c'est pas juste de la démago. Il y en a une qu'on n'a pas assez mentionnée, selon moi, qui est l'écoute. Et je terminerai là-dessus. Merci à tous. Bravo pour ça. Joy, je te laisse la main pour les questions que nous dit Lauriette. C'était passionnant, hein, au-delà de... d'animer, de vous écouter. Alors attends, je vais tirer ma robe parce que 1h30 assise.
Alors bah déjà, merci à tous. Hein. Il y a eu énormément de réactions dans le chat pendant toute la table ronde. On nous a donné une nouvelle définition aussi de DRH, Raphaël, directeur des richesses humaines. C'est sympa aussi, pour ceux qui sont dans la salle. Alors, avant de nous quitter, avant de passer aux questions, parce que je vous laisse quelques secondes, je dois regarder où en fait ? Ici ? Ouais. Alors, avant de nous poser toutes vos questions, puisque vous le savez, on a un léger décalage entre les questions, ce que vous entendez et le moment où on vous répond. Je vous ai envoyé dans le chat, on ne déroge pas à la règle, un questionnaire pour pouvoir noter cette table ronde et puis nous laisser vos feedbacks. On en a parlé pendant la table ronde, c'est hyper important pour nous. Et puis sinon, envoyez-nous toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Alors pour le moment, on n'a que des remerciements. Il y a eu beaucoup de retours d'expérience, de partage par rapport à ce que vous avez exprimé aujourd'hui. Super, on nous remercie. Où est la table ? Écoutez, Christophe, la table, bah, elle est justement là-haut, puisque vous n'allez pas en profiter. Mais en tout cas, nos clients qui sont sur place auront un super cocktail avec une coupe de champagne. Elle sera là-bas, la table. Joy, on peut peut-être prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Oui, carrément. Faites pas les timides. Allez, pas tous à la fois. Ouais. Je la répéterai à l'oral comme ça pour le live. Super. Je voulais avoir un avis collectif parce que là, on a un beau panel d'experts sur la difficulté qui a été évoquée tout à l'heure de l'évaluation des soft skills. Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup, mais quelque part, ça reste un peu, pour plein de gens, si je veux utiliser l'expression, un peu fumeux. On ne sait pas toujours de quoi on parle. Et quand on arrive à mettre une définition, c'est difficile à évaluer. Donc effectivement, pour avancer sur ce sujet, il faut sans doute mieux clarifier de quoi on parle et permettre également une évaluation plus intéressante pour aider à proposer des solutions pour les développer. Alors, oui, alors déjà, on parle pas de toutes les soft skills de la même façon. Enfin, on les identifie pas toutes de la même façon. Il y a la question des mises en situation, ce qu'on expliquait tout à l'heure, les regards croisés pour voir, pour avoir le retour sur comment une soft skill s'est incarnée dans le collectif de travail. Ça, c'est possible. Il y a l'inventaire de personnalité que j'évoquais qui permet d'identifier le niveau d'adaptativité des individus. Donc ça, c'est un autre moyen de mesurer. Il y a des échelles aussi qui ont été mises en œuvre par les scientifiques, comme par exemple le test de Baron-Cohen sur la capacité à comprendre les émotions d'autrui. Ça, c'est aussi important. C'est un peu prédictif de la capacité d'empathie, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont très peu connectées sur cette empathie. Hein. Et c'est pas critique quand je le dis. Il y a des gens qui sont des personnes neurodiverses, qui sont positionnées assez haut sur l'échelle de l'autisme et qui sont très intellectuellement très puissantes, mais qui, en termes de connectivité dans le groupe, bah là, elles ont une fragilité. Donc ça, cette échelle permet de l'évaluer. Donc il y a plusieurs façons de le faire, en sachant que, bon, je ne sais pas si ça a un intérêt de le faire, je ne sais pas, je suis dans le doute. L'important, c'est de voir les résultats à la fois sur les individus et sur les collectifs de travail, de mon point de vue. Je peux peut-être compléter. Pour moi, il y a un enjeu qui est en parallèle de l'évaluation, mais qui est aussi de l'identification. Là, dans la table ronde, on a beaucoup parlé au début du rôle de l'université, de l'école, de l'enseignement dans les soft skills. Après, on a parlé du rôle de l'entreprise dans les soft skills. Mais moi, il y a quelque chose qui me rend fou, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a un bouton on-off, et quand soit je mets les pieds dans l'école, soit les pieds dans l'entreprise, je me mets à apprendre, et quand j'en sors, j'apprends plus, quoi. En fait, les softs, on l'a dit, ce sont des compétences transversales, et par définition, on les apprend, on les développe au quotidien. On a parlé du learning by doing, de l'apprentissage par l'action. Vous savez, cette ligne-là sur le CV des centres d'intérêt, des hobbies, où à chaque fois on vous dit « Ah, il a fait de la compétition en handball, trop bien, du coup il a de l'esprit d'équipe. » Bah, ouais, mais en fait, ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a plein de compétences qu'on développe au quotidien. Vous savez, quand pour rire, on dit « Ah, être parent, c'est un vrai métier. » Bah oui, en fait, oui. Quand on est parent, on développe des tonnes de compétences. Hein. La patience, entre autres, par exemple. La capacité à gérer 15 000 trucs en même temps. Bon, ces compétences, on les développe au quotidien dans notre sphère personnelle et pas que dans une sphère professionnelle ou une sphère éducative. Et il y a un vrai enjeu, selon moi, pour l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise captait à peu près
les softs qui sont développés soit dans un métier et qui sont associés à un métier, ou capter les softs sur lesquels on forme à travers des formations, on sait de mieux en mieux le faire, on le fait de plus en plus. En revanche, là où il y a un gros pain point et où il manque quelque chose, c'est savoir identifier et valoriser les softs qu'un collaborateur développe dans sa sphère perso. Les collaborateurs en situation de d'aidance, la parentalité, les sportifs par exemple, mais ou même, je sais pas, les passionnés d'échecs, de puzzle ou de tricot, c'est des tonnes de softs qu'on développe derrière. Et il y a un vrai, vrai enjeu de savoir le valoriser. Ça, on a tous une vie à côté de notre travail ou de nos études. Et ce sont des compétences qu'on développe au quotidien. Donc je pense que ça vaut le coup aussi de le dire. Au-delà d'évaluer, il y a aussi identifier en fait, et capable d'attraper ces petites compétences que les gens ont déjà, mais ont juste développées en parallèle. Et combien de fois ça arrive qu'on se rend compte que Michel à la compta, en fait, à côté, il tient une chaîne vidéo, il est super fort en montage vidéo, et c'est peut-être une compétence qui est hyper utile pour la boîte, ce genre de choses. Juste un point pour préciser, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça se développe à tous les âges. Et c'est pas uniquement quand on est jeune, parce qu'on a insisté sur le côté éducation, mais les soft skills peuvent se développer même chez des seniors comme moi. J'ai appris plein de choses récemment, et donc je tiens à le dire, ça se muscle le cerveau, on peut en permanence créer de nouvelles connexions. J'allais te faire une blague, Laurent, mais je la fais pas. J'ai une question pour vous. Tu veux rebondir, Zuzana? En fait, je pense, Sandrine, qu'effectivement, les soft skills, ça ne peut pas être une seule personne qui évalue les soft skills de quelqu'un. Donc, il y a cette importance du regard croisé. Et moi, mon rêve, ce serait que ce serait plutôt une auto-évaluation, c'est-à-dire que les collaborateurs, une fois qu'il a compris voilà, ces déclics, cette prise de conscience, et qu'il puisse lui-même, quelque part, s'auto-évaluer, sachant que ce n'est pas une note, ce n'est pas un score qu'on va poser. Comme disait Arthur, tu as 6 en empathie, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est plutôt de se dire, voilà, il y a tout un tas de situations professionnelles, donc je vais me rappeler de ces situations professionnelles, je vais peut-être échanger avec mon manager dessus, où je pense avoir réussi ou avoir m'être bien comporté pour telle ou telle raison, voilà ce que j'en retire, etc., etc. Oui, il y a un film qui permet de comprendre ça, c'est Kung Fu Panda. Ben, alors, dans Kung Fu Panda, c'est un panda qui doit devenir le guerrier dragon. Et c'est une galère, évidemment, pour la bête qui essaie de le former, parce que c'est un panda. Et il n'est pas doué pour ça, c'est pas son truc, etc. Et le maître s'aperçoit un moment que, quand il est question d'attraper un cookie au sommet d'une armoire, le panda fait un parfait grand écart facial. Et il comprend à ce moment-là que ça n'est pas en contrariant ses instincts de panda qui veut bouffer tout le temps qu'il obtiendra le résultat, mais c'est au contraire en flattant ce que le panda a de particulier. Et donc, il lui apprend, par exemple, à se représenter l'adversaire comme un cookies pour avoir envie de le bouffer, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il arrive à l'excellence. Et c'est très intéressant comme modèle pédagogique, parce que c'est un modèle pédagogique qui repose à la fois sur la transmission objective d'un savoir, bien sûr, évidemment, surtout les arts martiaux, évidemment, mais c'est la transmission qui, elle-même, ne fonctionne que si elle se fait respectueuse de la singularité de l'élève. Voilà, le point fort. Le point fort qui... Il n'y a pas de point fort en soi. Et c'est là que les grilles d'évaluation, que les statistiques me paraissent un outil défaillant. C'est que ce qui paraît l'amour des cookies pour devenir un champion d'arts martiaux, bon, ce qui paraît un handicap peut être un point fort selon la singularité de l'individu qu'on a face à soi. Je trouve que c'est une réflexion intéressante en réalité qu'il y a dans ce film qui par ailleurs est génial, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et c'est un nudge. Et c'est un nudge, absolument. C'est un nudge, il se représente le cookies pour y arriver. Merci. On va clôturer. C'est bon pour vous? Bah déjà, merci à tous, merci à vous de nous avoir éclairés. On a eu des super retours, on nous a dit que ça faisait du bien de remettre l'humain au cœur du débat. Donc merci beaucoup pour tous vos échanges riches. Merci à vous de nous avoir suivis hein, dans cette folle semaine de la Skills Week qui se clôture comme ça. On est super contents de vous avoir accompagnés pendant une semaine avec des webinaires accessibles à tous. On espère vous retrouver très vite. Toujours la même chose, pour nous contacter, hello@skizday.com. Tous les intervenants sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur leur site aussi d'entreprise. N'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous. Nous, on va profiter du cocktail, du champagne. On vous laisse ici. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous.
Joy, on a oublié quelque chose. On a oublié de te faire un tonnerre d'applaudissements pour cette incroyable organisation. Bravo, Joy. Merci. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a Laura aussi qui va nous rejoindre sur scène. Laura, Lolo, qui est là toute la semaine dans l'ombre à la régie avec les équipes de Nico, mais qui a aussi beaucoup œuvré pour la Skills Week. Donc Laura. Elle arrive, il y a beaucoup d'escaliers. Hein. C'est énorme. Ouais, Laura. Merci. Bravo à toutes les deux. Merci à tous d'être venus. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ça demande de chanter le micro.